pense que c'était quand même bien au niveau de l'expérience. C'est ma première CAN et tout joueur africain rêve de participer à cette compétition. Donc pour moi, c'était un réel bonheur de rejoindre la sélection. Et même si j'ai eu peu de temps de jeu, je suis quand même content d'y avoir participé. Et après, voilà, je pense que ça peut faire grandir et c'est bien pour l'expérience d'un joueur. Maintenant, c'est vrai que aussi j'aurais voulu rester à Lorient parce que cette année, c'est la première fois que j'enchaîne autant les matchs. Donc, je m'étais mis aussi un objectif d'essayer de faire une trentaine de matchs cette année. Donc, je me disais que j'en ratais au minimum trois. Donc, c'est vrai que j'étais aussi dans le calcul, mais bon, j'ai loupé trois matchs. J'ai eu la chance de revenir et de rejouer. Donc, ça reste quand même une bonne chose pour moi. On a peur de perdre sa place quand on part comme ça. Oui, on a peur parce que les joueurs qui nous remplacent peuvent être performants aussi et Pedrinho, en l'occurrence. montrer qu'ils peuvent pallier aussi certains départs. Donc, on n'est jamais à l'abri de se faire piquer entre guillemets notre place. Donc, c'est vrai que c'est comme ça, c'est le milieu qui le veut. Pedrinho est un bon joueur et quelqu'un qui a l'ambition de jouer. C'est aussi un compétiteur, donc on n'est jamais à l'abri. Mais pas de bol pour lui, c'est blessé. Ouais, c'est vrai que malheureusement, c'est le foot qui est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de retrouver ce poste et je suis très content.